Giulia Sarkozy n'a pas le cœur à la fête. Actuellement en vacances loin de Paris, la fille de Carla Bruni Sarkozy et Nicolas Sarkozy a partagé une mauvaise nouvelle, ce mardi 16 juillet, sur les réseaux sociaux. Dans la famille Bruni Sarkozy, on demande Giulia. À seulement 12 ans, la fille du mannequin et de l'ancien président de la République, est très active sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs années, elle est connue sous le pseudonyme Valentine du Delta, en hommage à son poney préféré. Sur ce dernier, l'adolescente partage à sa communauté sa passion pour le cheval. Telle une professionnelle de l'influenceuse, la demi-sœur de Louis Sarkozy partage même des bons plans à sa communauté, mais pas que. Le 1er juillet dernier, la petite dernière du clan Sarkozy faisait quelques confidences au sujet de sa famille, notamment ses parents, qui la soutiennent dans sa passion équestre. Mes parents sont très présents pour ma passion. Quand on a fait le shooting à la plage, mon père a voulu m'accompagner, avait-elle déclaré dans une vidéo. Et d'ajouter ensuite. Mes parents m'ont aussi accompagné au Longines Paris Eiffel, ça s'est d'ailleurs très bien passé, c'était incroyable. Le 21 juin dernier, ses parents, ses premiers fans, étaient d'ailleurs présents à la 10e édition du Longines Paris Eiffel Jumping pour soutenir leur fille qui concourait dans la catégorie junior. Giulia Sarkozy, la fille de Carla Bruni, annonce une mauvaise nouvelle sur Instagram. Ce mardi 16 juillet, c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle que Giulia Sarkozy a pris la parole sur les réseaux sociaux. En vacances en Grèce, la fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy a partagé sa tristesse par le biais d'un long post partagé sur Instagram. Loin de la capitale, la fillette a annoncé que sa jument, Valentine, s'était blessée. Comme vous savez, je suis en vacances donc @cassie-baloua et @perlouille s'occupent de ma Valentine. Malheureusement dimanche, elle s'est blessée, a-t-elle écrit, le cœur meurtri, avant d'expliquer que l'équidé avait été pris en charge. Lundi, on lui a fait un bain d'argile plus médoc. Évidemment, on a appelé la véto, sic, aujourd'hui elle avait une radio plus une prise de sang, a-t-elle raconté. Malheureusement, les choses ne sont pas allées en s'arrangeant puisque les premiers résultats des examens de l'équidé n'étaient pas bons. De pire en pire, les résultats de la prise de sang ne sont pas comme prévu. Elle a une bonne infection, et si ça ne va pas beaucoup mieux dans 48 heures. Elle part en clinique, a ajouté l'adolescente de 12 ans, qui a précisé que si son cheval n'allait pas mieux, il serait conduit à la clinique. Ce mercredi 17 juillet, Giulia Sarkozy a tenu à rassurer ses followers, en partageant une bonne nouvelle, sa jument va mieux. Enfin une bonne nouvelle, a-t-elle écrit en lettres capitales pour légender deux photos superposées de l'animal. Le membre a vachement dégonflé et il n'y a pas de température un grand, a-t-elle fait savoir. Giulia Sarkozy va pouvoir relâcher la pression et profiter de ses vacances en Grèce.